Et salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tout nouveau spot. Donc, on est dans un skatepark, un mini skatepark, où on peut faire, on va dire, une sorte de pump track. Je regarde pas mon téléphone, mais je crois que normalement, au niveau de l'angle de vue, c'est bon. Moi, je viens de faire une sorte de micro-essai vite fait pour voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être bon. Donc, la voiture, bah, elle est au-dessus. J'ai pas fait des sauts énormes. Dans les amorteaux. Hop, voilà. Donc on est avec le MT, donc Thunder Tiger ST4G3 modifié. Donc je fais des petits sauts, ça sert à rien de faire des trop gros sauts. Désolé pour les enfants qui gueulent, ils sont en train de faire du sport. Alors j'espère que le skatepark va pas fermer après parce que ils ont installé des barrières. Alors j'espère pouvoir sortir après. J'évite de filmer les enfants, mais bon. Ça, j'en viens. Alors, j'ai changé les couplets d'amortisseur à l'arrière, ce qui est au plastique d'origine. De me mettre un endroit où je peux voir la voiture aussi facilement au lieu de marcher. Ça c'est pas bon ça. J'aurais dû rester accéléré. Chier. Ah, je crois qu'il y a un truc qui s'est barré, non? Ah non, ça va. Moi j'ai rien. Je parie combien que la toile d'amortisseur elle est au moins pliée. C'est obligé. Ah ils sont bons. Et j'ai cassé. Ah, shit. Trop haut, motrice. No. Ah, fais chier. Bon, bah, j'aurais pas roulé longtemps. Ah, shit. Il y a encore des pistes d'amortisseurs. Ah mais pourquoi j'ai freiné, quel con putain. Là j'arrive.
Déjà, j'ai moins d'amour de sorte que pété là. Fais chier. Oula, une vis sectionnée. Amortisseur, enfin, ressort plié. J'espère que j'ai pas un cadon. Ouais. Triangle de pété. Les dégâts. J'ai une outil. Donc vis sectionnée. À l'arrière, apparemment, j'ai rien. Toile d'amortisseur pliée. Ça aurait pas fait une vidéo longue, c'est con. Donc le triangle. Il a résisté, donc c'est parfait ça. Donc alors, je sais pas si vous voyez là, moi je m'en vais, mais bon j'en sais rien. Alors cale de triangle sauté, d'où pourquoi j'ai une vis qui a sauté qui est là. J'ai perdu une pièce, ouais, on me mettre peut-être deux. Donc non, j'ai la cale de réglage ici qui a sauté. Ok, donc j'ai rien d'autre. Donc j'ai juste la chape d'amortisseur qui a sauté. La première vue sur le châssis, rien d'autre. Amortisseur. Donc on voit bien que ça, la chape qui a sauté. Donc le ressort bien sûr a sauté, bien évidemment. La vis ici qui s'est sectionnée, tout collé en colo. Voilà. Donc là, on a l'axe de triangle qui n'est pas plié. Une vis du support. Là, on a une cale de réglage. Là, on a le ressort. Et à première vue, j'ai perdu une pièce. Donc je vais aller voir ça. Je vais éteindre la machine. Ah, c'est con, j'aurais jamais dû faire un backflip si violent. C'est surtout. C'est con d'avoir fait un bump, un jump aussi violent en freinant comme ça. Bon, il va fiasser les jambes. Oula! Oula! Ouf! Aïe! Mamma mia! Regardez-moi ça. Waouh! C'est arraché. Explosé. Putain. Waouh! Bon, ici il y a un dos spécial par ma protection de câble ici qui est fatigué un peu. Ah, j'ai une vis qui a sauté ici là. À mon avis c'est une vis, hein. Je sais pas si vous la voyez, je vais la prendre si j'y arrive. Je vais la faire tomber. Regardez-moi cette vis, c'est la con. Qui a sauté. En fait, ça n'est pas sectionné, hein. C'est une petite vis qui en fait elle tient la baignoire en plastique là, qui est fixée sur le châssis. Qui a sauté. Bon, l'interrupteur il est. Je l'avais pas fait fictionner, enfin je l'avais pas mis, donc ça a rien. Apparemment le châssis a pas bougé. Ok, les cardans ils ont rien. Bon, je vais chercher cette fameuse vis. On va chercher ensemble. Alors normalement ça a été filmé, hein, donc je l'espère parce que je ne vois pas ce qui se passe. La batterie, je vais la mettre à l'ombre. Dans ma remorque, c'est maison. Donc la voiture, ouais, donc elle a pas sauté là. Tachem quoi. Ouais, franchement, j'espère que c'était filmé. Logiquement, oui. Mais je suis pas sûr. Alors.
Donc là, pour être cette pièce. Puis c'est une petite pièce en plastique. Mais j'ai pas de rechange, j'en serais qui est con. J'espère qu'elle peut tomber dans l'herbe. Petite pièce en plastique. Bah du tout. Alors j'avais un amortisseur à peu près ici. En plus c'est une boule donc alors très bien pu rouler hop pas. Par exemple là-bas, je crois que c'est celle-là, je la vois, j'ai l'impression. Oh putain, j'ai un de ses œils. Waouh. Ouais. Petite boule qui tient le triangle. Même pas cassé. Là c'est vrai. Hein. J'ai cassé au-dessus, elle est revenue rouler juste ici. Quoi. Bon, heureusement que j'ai des cales de triangle. De rechange. Cette pièce-là, j'en ai pas. Waouh, waouh, waouh. Bon, ben, c'est ma deuxième voiture qui casse ici. J'ai cassé Logitech STR8EO. Et maintenant Thunder encore. Parce que ça fait 3 fois qu'il casse. Une fois, il n'a pas été filmé. Enfin, les 2 fois, ils n'ont pas été filmés. Mais bon, c'était pas grand chose. En fait, j'avais juste. Ah, ben, ici, on dirait que ça a bougé. Aussi, il n'y a pas l'air d'avoir bougé. Alors, je vais faire une vis au niveau du support de spoiler. Bon, ça va, c'est juste la cale de triangle qui a sauté, puis je peux remettre ça. Bon, je peux pas la remettre maintenant parce que ça a cassé. J'ai pas la pièce sur moi, j'ai pas les outils sur moi. Voilà. Bon allez. Voilà. Là on peut dire que sous le titre de la vidéo, je vais mettre je me suis crashé avec mon truie. Le Thunder Tiger. Bon allez, salut tout le monde et à bientôt. Ciao ciao.